Alors, donc voilà une nouvelle vidéo des IE, tout un, les trois ensemble. Donc là, très cher, ma foi. Donc non. Là, ça fait peur, en fait. bref. Donc là, on va faire un tag et c'est. Vas-y, Elodie, s'il te plaît, dis-nous le nom. Le livre opposé. Tu n'as même pas eu le courage de dire en anglais. Non. Bref, voilà. Donc là, on va vous présenter donc, les livres opposés. C'est Lydie qui va poser les questions. Et en fait, après, on va répondre. Comment ouais, peu importe. Bref, on répondra au fur et à mesure. Hein. Allez, c'est parti. Go. Come on. Alors, le premier livre de ta collection et le dernier livre acheté. Allez, Elodie. Merde, dis-moi qui commence. Alors, le premier livre de ma collection, c'est J'aurais préféré vivre, de Thierry Cohen. Et je l'ai acheté parce que ma date de naissance écrit sur la couverture. C'est vrai? Oui. Et donc, j'étais au lycée, j'aimais pas du tout lire. Et bah, j'ai été attirée par la couverture, forcément. Et finalement, j'ai adoré, je lisais en marchant, dans le bus, dans le métro, enfin... T'es jeune, en fait, parce que 2002... non, 2000, là, au pire, 8 mai 2000... Non, mais c'est que 8 mai, ma date de naissance, oh, non, mais, en plus, ça raconte l'histoire d'un gars, pour son anniversaire, il se suicide. C'était très joyeux. Et, je vous raconte pas, c'était le premier, et j'avais adoré, et voilà, maintenant vous connaissez ma date de naissance, si vous voulez me faire des cadeaux, il n'y a pas de soucis. C'était un message subliminal. C'est ça. Voilà, le dernier aussi. Ouais. Le dernier, que j'ai récupéré aujourd'hui chez Lydie, c'est Le Palais des Mirages d'Hervé Jubert. Et, je ne sais pas du... Non, c'est Hervé Jubert. Je l'ai lu. Et donc voilà, je l'ai eu tout aujourd'hui, c'est un tout nouveau, tout beau, qu'il va falloir que je casse dans ma bibliothèque, et je suis contente. La couverture est très belle. La couverture est très belle, oui. Si j'arrête de bouger dans tous les sens, peut-être que vous le verrez. Je sais pas si c'est une fée, ouais, il y a une fée. Il y a une fée, et c'est un one shot, c'est très bien, comme ça. Bref, au suivant. Donc le premier livre de ma collection, ce fut donc Twilight, le tome 1, Fascination, de Stéphanie Meyer, aux éditions Black. Rien à dire, hein, qui sait que personne ne connaît. C'est qui a valu Twilight, donc du coup voilà, donc bon, bref, rien à dire, une histoire d'amour sympathique en livre. Film, j'ai pas trop tip top. Bref, passons. Donc le livre reçu, donc aujourd'hui tout nouveau, moi aussi, de Hervé Jubert aussi. C'est Ça va Samba aux éditions donc Albin Michel, collection Louise. Et donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette couverture. Elle est très 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 belle. J'ai fait les bruitages. Donc voilà pour ma part qui fut donc le premier livre et dernier livre à ce jour. C'est pas vrai, un AV7. Oui, parce que oui, elle ne voulait pas se montrer en fait. Ouais, moi j'en avais vraiment un, elle a un AV7. Non, t'en as deux. L'éveil des macabres. Non, on a dit acheter. Je l'ai pas acheté, tu me l'as offert. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, dis. Alors moi le premier livre, bah, c'est un livre pour enfants mais il était perché là-haut dans ma bibliothèque donc j'ai oh, regarde vachement. Ah tu te prends d'un coup. Allez, la vidéo ça va être parfait. Il y a des dictionnaires en haut. Mais non, mais il y a une partie avec les BD et à côté il y a mon petit livre que j'avais quand j'étais petite et c'est Loulou qui avait peur de tout. Oh c'est mignon. Oui. Moi c'était le meilleur petit canard. Ça vous est étonnant. Et au niveau des livres, des derniers livres achetés... Alors... Non, sur 4 ouais. J'ai compté. Non mais ils sont tellement fins, je sais pas tout ça. Alors, il y a un livre de... Oui. Caricature, voilà. Juste en train de chercher le mot. Il y a eu un arrêt. oui, c'est un livre que j'ai acheté chez moi... dans ma commune, il y a une expo sur les caricaturistes. Et du coup, ils étaient là, ils étaient présents. Donc, je me suis fait dédicacer en plus, avec une petite abeille. Voilà, tu vois bien. Donc, ça.
J'en profite. Ensuite, je suis allée aussi dans ma commune, dans la bibliothèque, à un café rencontre avec Martin Page, et du coup, j'ai pris deux livres. Et j'ai reçu ma commande d'édition du Chat Noir. Donc j'ai celui-là, je sais pas si... Moi, je vais échanger, je préfère piquer celui-là, d'ailleurs. Moi, je préfère piquer celui-là. Et... Non, maintenant, j'ai récupéré l'ancienne, du coup, le sien. Les larmes rouges. Et voilà, ça, ce sont pour mes achats, les derniers. Après. C'est à moi de reprendre. Alors, ensuite, c'est un livre avec un protagoniste garçon et un livre avec un protagoniste fille. Alors, pour le garçon, j'ai choisi Eragon. Vous voyez ? C'est pas le dragon sur la couverture, hein, c'est bien un jeune homme. Et c'est un beau pavé, en fait, cette saga. J'adore. Je les ai lus il y a super longtemps, quand même, ceci dit. Et enfin, bref, voilà, c'est un garçon, c'est un fantasy, c'est jeunesse, et c'est super. Et en fille, je pense que tout le monde connaît au moins de nom, c'est La Sélection, avec America, donc. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, oui. J'ai eu le gros doute. America. Avec America, donc j'avais flashé pour la couverture, et finalement j'ai flashé pour l'histoire, pour la trilogie, et je me languis les prochains tomes qui vont arriver. Alors que c'était pas prévu, j'adore ces petites surprises comme ça dans la vie. Et c'est chez la collection R. Voilà. À toi. À moi. Donc alors, c'est donc Près de toi, le tome 2 de Loin de tout, de J.A. Redmerski aux éditions Milady. Donc là, c'est Andrew qui est présenté. Voilà. Un garçon Andrew. Oui, quand même garçon, évidemment. Il est pas mal d'ailleurs. Il est mal, Beau, hein. Moi j'aime bien. Non mais j'aime pas. Ouais. C'est vrai. C'est pas grave, on le prend, nous deux. Bah, allez-y, sérieux. Okay. Et pour une fille, donc j'ai pensé à Lyra. Voilà, donc c'est de Demi Magowan aux éditions Rebelle. Elle est belle cette couverture. J'adore beaucoup cette couverture en plus. Et, ouais. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup. C'est parler la France. Voilà. Et voilà, en plus l'histoire est juste géniale. It's donc, beautiful. Voilà, it's beautiful. Alors, pour moi, protagoniste garçon, j'ai eu du mal à trouver en fait, j'avais pas l'impression d'avoir un garçon en tant que héros. Et puis finalement j'ai trouvé le numéro 4, je l'avais un peu oublié, j'ai pas lu la suite d'ailleurs. Moi j'ai vu que le film. J'avais bien aimé, donc voilà, du coup c'est bien tombé que j'ai celui-là. Et en fille, une série que j'adore, ça c'est le dernier tome, Succubus. Voilà. J'ai adoré cette série, qui est sortie chez Bragelonne et chez Milady, en version poche. Donc voilà. Ensuite, une belle couverture et une couverture pas belle. Alors, une belle couverture, c'est Monstre, tome de l'arme de sirène d'Hervé Joubert. Encore, décidément. Et donc c'est Magali Villeneuve qui l'a faite, et qui fait d'ailleurs toute la saga. Et celle-là, j'ai vraiment encore plus craqué que les autres. Elle est magnifique, avec une belle queue de sirène. Il n'y a que la queue d'ailleurs. Et onde. Bah ouais, je ferais quoi en voyant entière. Donc il y a la queue de sirène, onde. Regardez comme elle est belle. En plus ça brille, où il y a le personnage de la fille, j'adore. Et même le côté il est beau, tout est beau, mais de tous les côtés c'est beau, c'est magnifique, c'est... Bravo Magali qui fait des couvertures sublimes. Ça se peut qu'on en revoie tout à l'heure ou pas du coup de Magali? C'est possible, ouais. Ah, c'est pas encore décidé. Et la couverture moche, c'est le livreur de Marie-Sophie. De Marie-Sophie, on est copines, je n'arrive pas à dire son nom. Et enfin voilà, elle est toute noire, il y a une main et de la poussière, hein, je ne sais pas ce que c'est trop. Et enfin je trouve ça dommage parce que c'est vraiment même un coup de cœur ce livre, il est magnifique, il est plein d'optimisme, d'amour, de joie, de cadeaux. Et il est noir, je sais pas. Bref, voilà, c'est ma couverture moche pour un livre beau. C'est con en plus. Sans gros mots. C'est bête. Zut alors. Donc pour moi, une belle couverture, j'ai choisi donc Touch Tome 2 de Daniel Ghisiano aux éditions Rebelle. Donc cette couverture est juste magnifique, trop trop belle, j'adore. Quand j'ai pensé à une belle couverture, j'ai presque de suite pensé à elle parce que j'ai cherché pendant une minute, et du coup j'ai fait tilt, je fais touch de Daniel, nickel, j'adore. Bref, voilà. Très belle couverture et... C'est vrai qu'elle est belle. Très très belle aussi, histoire d'amour. Voilà. Le contenu est très très bien aussi par rapport à la couverture. Voilà.
Et ensuite, une couverture très moche, je vous le fais pas dire. donc là, c'est Comment séduire un vampire sans y laisser sa peau, de Vlad Mesrich, aux éditions donc Hachette. Alors, très nette couverture et contenu aussi. Moi, le contenu. Ah, mais dedans, c'est moche aussi. Oh là là. Ça n'avait pas vu, mais c'est rouge, c'est vif, c'est. En fait, on dirait un cahier d'exercice. Non. Et le contenu n'est pas non plus aussi. Voilà, distant. Exercice 1. Ça fait trop ça. Suspense, ouais. J'avais pas vu non plus l'intérieur. Non, non plus. Ouais, non, il y a des quiz, des schémas. Bizarre. Voilà. Donc, c'est pour ça que la couverture et l'intérieur n'est pas non plus tip top. Voilà pour ma part. Alors, pour moi. Il y a plein de belles, elle triche. Elle triche. Elle triche, ouais, mais. Je suis d'accord, j'ai failli le prendre quand même. J'hésite entre deux pour les belles. C'est la couverture de Selena de West Edigay et la couverture de Rosemore tome 2. Qui a été faite par Magali Villeneuve. Voilà. Ouais. Hein? Il y a une femme et un homme. C'est. Oui, oui. Non, mais il n'y a ouais, pas de. Il n'y a pas vraiment de dragon ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment une femme et un homme. D'accord, oui, mais c'était pas fait. J'ai pas compris du coup. Au début, ça allait, après, on parlait de dragon. Bénédicte comprenait pas pourquoi je dis ça, alors du coup, je me suis enfoncée. C'est ça. J'ai pas plus compris parce que. C'est pas grave, Elodie m'a comprise au début. Oui, elle peut être belle pour plein de choses, hein. C'est pas forcé que parce qu'il y a un homme et une femme. C'est différent. Une femme, c'est dit. Différent d'un homme. Non, mais si, alors j'explique. Vas-y, explique. Je comprendrais peut-être mieux. Elle a pas réussi à. Si c'est pas ça, tu te dis pas que c'est pas ça. Oui, c'est ça. Elle a hésité entre deux couvertures qui, en fait, n'ont aucun rapport, c'est ça ouais. Parce qu'il y a un homme et une femme, donc c'est même pas deux belles femmes ou... C'est ça ouais, en gros, oui. C'est pas ça du tout, en fait. Bon, bref, donc Lydie... En bref, c'était mes deux couvertures que j'aime beaucoup. On coupera. Non, on coupera pas. Ceci dit, j'ai failli prendre Selena aussi. Trop belle. Et en couverture moche, alors c'est Milady. Ils sont assez spécialistes dans les couvertures moches. Oh, et puis, il y en a tant. C'est Jess Parks. Alors, j'ai les premières éditions. Parce qu'elle a été éditée une première fois. Ils avaient fait des couvertures qui n'étaient pas trop mal. Et qui correspondaient au texte. Parce que là, on a l'impression qu'on va tomber sur une romance, alors que c'est pas du tout ça. Et en plus, elle est moche, la couverture. Je trouve que ça ressemble à une romance, là. Romance un peu plus. Ça fait romance. Moi, ça fait cimetière, ouais, peur, ouais. Et frisson. Ah ben, pas moi. Mais c'est moche, hein, par contre, je suis d'accord là-dessus. Hein. C'est moche, mais moi, ça me fait penser à un truc romantique. Je préfère ça, qui fait plus action, ouais. et tueuse, et tout ce que vous voulez, qui va avec. Après, ouais. Je sais pas de quoi ça parle, alors. Bah, d'action et de tueuse. De vampire, de... Ensuite, un livre mince et un livre gros. Alors, un livre mince, j'ai pris Lady Suzanne. Collection Folio, il est pas très très gros et puis surtout je l'ai retrouvé il y a quelques jours, j'étais tellement contente que je le quitte plus. Elle a cherché un bon moment. Je l'ai cherché super longtemps et il l'a trouvé là où il aurait jamais dû être. Et enfin bref, du coup c'est mon livre fait, il est pas très gros d'ailleurs, c'est vraiment un livre de poche, lui il rentre bien dans le sac sans problème. Mais je l'ai pas lu encore, mais bientôt Jane Austen, Lydie, me voilà. Et le livre gros, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris Selena en couverture belle parce que je l'ai déjà pris en gros quoi. C'est une intégrale, qui n'est plus d'ailleurs publiée. C'était un collector, il est très joli, il est... Cartonné, dur et tout, il est lourd. Pas les mots, mais moyen moyen. Il est dur, il est lourd, on se fait mal aux doigts quand on le lit. Et enfin, en tout cas, c'est un de mes gros coups de cœur. Et
Et voilà, donc c'était mon gros. Et là, ça fait super mal au bras. C'est ça. Voilà, si vous voulez. Un quart d'heure. C'est ça. C'est une bonne lecture. Et en plus, ça fait faire du sport. C'est ça. Un muscle. Voilà, bravo Wesley pour ça. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. Donc pour moi, pour mon livre mince, c'est Blanche-Neige et autres contes des frères Grimm aux éditions Pocket. Donc là, il est vraiment tout tout fin. Je crois qu'il fait. 100 pages. 95 pages. 95 pages, ouais, prix d'ailleurs. Il est vraiment tout tout fait, c'est impressionnant. C'est... 115 ! Il est pas très gros, hein ? Ah ouais. 95, ça va. T'as qu'à gagner. Ouais, je gagne. M'en fous, je suis deuxième. C'est sûr. Et ensuite, pour un gros livre, donc Le Monstre. Le Monde de Narnia. Donc de C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Donc là c'est de la triche quand même parce qu'on a pris des intégrales. Forcément il y a plein de tomes dedans. Bah ouais, c'est ça. Non mais Lydie elle a pas pris une intégrale, elle a pris un tome. Oui ouais, c'est vrai. Oui, bref, moi j'ai pris donc qu'un tome. Du coup voilà, ça c'est le Zobic. Zobic. Lui aussi il fait mal au bras. Pour la Gip, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, donc. C'est vrai, tu l'as pas lu, j'engueule Lydie depuis tout à l'heure parce qu'elle s'arrête au milieu. Oui, mais tu es au film donc tu vas m'engueuler. On voit que c'est le mien parce que du coup il y a. Comment ça, je peux pas t'engueuler? Attends. Non, tu vois, on voit rien. Si, si, on voit, il y avait le marque-page. Non, mais je l'ai mis bien au milieu pour pas qu'on le voie justement. Mais non, mais il était ressorti. Ah oh, merde. Bref, donc voilà, ah, c'est deux The gros livres. Voilà. Alors pour moi, livre fin, c'est Entre le loup. Non, c'est entre le chaperon rouge et le loup, c'est fini. Oh, c'est triste. Donc 150 pages à peu près. 160, je sais plus combien j'ai lu. 167, non. 169. Ah, j'étais pas... Elle a perdu. C'est pas grave. Mais il y avait plus fin, mais je sais pas où je les ai mis. Donc voilà. Ben, oui. Et en livre gros, c'est le cinquième tome. Oula, le cinquième tome. Non mais parce que j'étais en train de lire Fièvre d'ombre, voilà. C'est le cinquième tome de Fièvre, donc Fièvre d'ombre, des chroniques de Makayla Lane, et j'adore cette série, et du coup le dernier de ce tome-là, il fait quasiment 900 pages. C'est un beau pavé, lui, en un seul tome. C'est clair. Elle nous bat alors que même nos intégrales ne font pas autant de pages. 890 pages. Ah, du coup, tout le monde. C'est pour rattraper. Ah non, c'est vrai, ouais. Non, moi il fait 678. Ah, je suis deuxième, 869. Ouais, mais t'as vu la taille du bouquin? Et par contre, ouais, c'est la taille du bouquin. Ouais, et puis c'est écrit tout petit, hein. C'est écrit normalement. Mais, non, là c'est écrit tout petit quand même. Tu sais que j'ai regardé parce que j'ai aussi de l'intégrale de. L'autre là. Là, le croisé des mondes. Ouais. Il est plus fin. Il fait 1100 pages. Ouais, c'est les fameuses pages que t'as beau tourner. Ça tombe pas. C'est ça. Elles sont toutes fines. Voilà, donc tout à l'heure j'ai vu ça, je me dis il y a plus de nombre de pages, mais il est moins gros. Mais Lydie l'avait pas, alors elle a pas pu le porter. Donc voilà. Ensuite. Ensuite, nous avons un livre romantique et un livre d'action. Alors, livre romantique, c'est La guerre des peuples de Marion Aubry. Ancienne, c'est l'ancienne collection, ça d'ailleurs. Ancienne couverture aux éditions Sharon Kena. C'est une très belle romance. Je rigole parce qu'en fait, ça fait pleurer. Et ça me fait rire forcément parce que l'auteur est un petit peu sadique. Mais un chouïa, vraiment. Non, je dois le dire pour les imaginales. Et enfin voilà, c'est une jolie romance fantastique. Un univers très joli avec des opales, c'est ça le mot, le vrai mot? Vous l'avez lu? Oui. Non, c'est ça, c'est opales. Opale. Ils s'appellent c'est ça. Les opales, donc ils vivent sous l'eau, ils sont charmants, ils sont je les aime bien. Ils sont pâles. Oh ça, c'était du jeu de mots. Ah, on a pas mis tout en bon. Et enfin bref, voilà, ma romance très très belle que j'ai pris plaisir à lire. D'ailleurs, quand j'ai vu l'auteur chez Lydie, oui. Je sais plus quand est-ce que c'était, en juin ou en juillet, il faisait super chaud quoi. Et donc je l'avais acheté l'après-midi. 2012 ou 2013 Ouais, 2000... Non, 2012, on se connaissait pas encore quand même. 2013. On en refait l'année dernière en 2014, donc c'est ça 2013. Cet été, Marion. Mais si, que j'ai piqué plein de trucs. Marie, elle a pas dédicacé ce jour-là. Cet été, non. Non, l'été dernier. Oui, l'été d'avant, ouais. Ah bah alors,
Je la date. Voilà. Donc c'était le 20 juillet 2013. Ah ouais, c'était en 2013. Donc si en 2012 on se connaissait, c'est la première vue Gala, non? Oui. Première fois. Bon bref, on s'en non, fout. On a rencontré Marion avant Gala, non? Ça, non, parce que vous me connaissez pas et j'ai... Voilà, on a commencé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, je crois que c'est en même temps, nous, juin. Non, mais nous, c'était en décembre, voilà. Il y a 2 ans. Mais en 2012. Donc, Harmonie, c'est en 2013, en juin. Ouais. Ça, c'est vachement intéressant, ce qu'on on est sortis du tag, là. Donc, tout ça pour dire que je l'ai acheté le jour où j'ai rencontré Marion. Et je l'ai lu le soir même, dans la nuit. Je l'ai dévoré, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai aimé. Je me suis noyée avec les opales. Bref, j'avais adoré. Et l'autre, c'est quoi? Le livre d'action. Donc, c'est... Oh merde, j'ai encore le même nom de famille à dire que j'arrive pas. Donc, La nuit des fugitifs de Manon. Notre chère Manon, que j'adore. Et donc, c'est un tome 2, c'est la suite de La nuit... non, c'est déjà le titre, ça. Du suivant sur la liste, et c'est publié chez Rajo dans la collection Thriller. Une collection que j'adore. Ça, c'est pas ça, c'est plus. Et enfin bref, il n'y a pas une minute de répit. On n'arrête pas d'être à bout de souffle quand on lit. On tourne les pages... J'entends les bâches. Ah ouais, bravo, elle est bravo, Ali, bravo. Elle est forte, waouh. Ben, bref, il y a de l'action à chaque page, c'est super bien écrit, il y a des pouvoirs magiques. Et enfin, c'est pas magique, c'est un peu comme les X-Men en fait. Enfin bref, c'est génial, et c'est mon livre d'action que j'ai lu il y a quelques jours et qui est sorti il y a 3 jours. Il y a 3 jours, il est sorti il y a 3 jours, voilà. Maintenant, je suis désolée si tu me regardes. Donc, pour moi, donc, un livre romantique, j'ai choisi donc Tendre Veillée de Scarlett Bailey aux éditions Medetti. Donc là, rien que la couverture, ça donne envie de lire. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne envie de prendre un bain. Ouais. C'est marrant. Oui, mais avec ce livre, un bain avec ce livre. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ça parle de Lydia qui... J'arrive sur Lydie. Non, de Lydia qui va passer Noël dans un château avec son ex, son petit ami et un très très bel inconnu. Ouh. Je vais le sortir de ma palpe. Donc voilà, donc une très belle histoire d'amour que j'ai beaucoup appréciée. Oui, je l'ai, hein. Je l'ai. Et pour un livre d'action, donc le film est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est L'épreuve tome 1, Le labyrinthe de James Dashner aux éditions Poupée Jeunesse. Mais il n'y a pas le DVD qui est sorti hier ou avant-hier en plus? Si, si. Et donc moi j'ai l'ancienne version, je suis très très dégoûtée parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la nouvelle qui est beaucoup mieux, je trouve. Bref, donc là c'est rempli d'action, franchement les personnages ils n'ont vraiment pas le temps d'attendre, ils n'ont même pas le temps quoi, tout se passe, tout s'enchaîne. Et c'est un très très bon livre et moi j'ai beaucoup apprécié l'adaptation qui pour moi fut très très bien aussi. Voilà pour ma part. Alors, pour moi, le livre romantique, j'ai pris La dernière valse de Mathilda. C'est un livre que j'ai lu il y a des années, donc je ne me rappelle plus trop ce qui se passe, mais je me rappelle que c'était... J'ai le marque-page à sortie. Hein? J'ai le marque-page à sortie. J'ai entendu marque-page, mais en fait, je ne savais pas si tu avais dit « tu as le marque-page à sortie » ou « j'ai le marque-page à sortie ». Voilà. Du coup, voilà, c'était une histoire d'amour, je trouvais que c'était mignon, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai lu les autres livres de Tamara McKinley. Et le dernier, je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Son anniversaire à elle. Message dans 3 mois ou 4 mois, je sais pas. C'est pas quand t'es né? Non, je sais pas. On est en février. Ouais. On est 21 février. Approximatif. Et donc, pour le livre d'action, j'ai pris la série de Roxane d'Ambre, Animae. J'adore cette série, qui est sortie d'abord aux éditions de l'Épée en numérique, que j'ai découvert à ce moment-là, et qui maintenant est édité donc le livre de poche. J'aime moins les couvertures, mais bon, c'est pas grave. Et j'adore cette série, il se passe plein de choses, ça n'arrête pas. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse et un livre qui m'a rendue triste. Alors, un qui m'a rendue heureuse, c'est Une guitare pour deux, de... de Marie Amato. Non mais c'est tellement écrit dans tous les sens que je savais plus où était écrit le nom de l'auteur. Et c'est publié chez Nathan. Et c'est une histoire d'amitié, de musique. Et ça m'avait fait rire, ça m'avait fait du bien en fait. Voilà, c'est pas forcément ça m'a rendue heureuse, mais ça m'a fait sentir bien.
Même si j'ai quand même pleuré. Mais bon, c'est un détail. C'était les pleurs avant les sourires, on va dire. Et plein d'optimisme. Et ça fait du bien de temps en temps, un petit livre comme ça. Et en plus, il est pas bien gros non plus. Et ça va. Parce que voilà. Je vais vous montrer un petit truc qui me plaît bien dedans. C'est que il y a des petits mots. Parce qu'ils s'échangent des mots, les deux protagonistes. Et donc, on peut voir les mots. Et on peut voir aussi quand ils écrivent des chansons. Le texte, les ratures qu'ils font. C'est cool de voir les ratures. Mais ouais, non, parce que tu sais, on voit le processus quand ils écrivent une chanson en fait. Et à la fin, d'ailleurs, il y a un. Je sais pas comment ça s'appelle cette connerie, ça. C'est un flash. Bon, c'est un flash. Bon, je l'ai fait autrement. Et on peut écouter les chansons qu'ils ont écrites. Donc il y a deux interprètes qui les font. Et d'ailleurs, une fois que j'ai fini ma lecture, je les ai écoutées en boucle, en boucle, en boucle. C'était très sympa. Enfin bref, voilà mon livre qui m'a rendue heureuse. J'arrive pas à trouver. Harmonie, cherche-moi un endroit où il t'écrit des chansons. Je sais pas comment c'est, mais j'imagine qu'il y a des ratures donc. C'est ça, mais en fait, c'est quand ils écrivent un peu. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Et alors, celui qui m'a rendue triste, c'est le troisième tome d'Hunger Games. Mais c'est parlé. La révolte de Suzanne Collins, publiée chez Pocket Jeunesse, c'est ça? Non, parce que c'est France Loisirs, ça. Donc, je suis désolée. Et voilà, là. C'est ouais, bon, bien. Non, c'est pas grave. Non, tu vas le montrer pendant que je parle, je te connais par cœur. Et enfin, donc c'est le dernier tome, j'ai pleuré pendant... Combien fait de pages? Pendant 400 pages, et c'est des cendres, en fait. Voilà, j'étais en cendres, j'étais en... J'étais en larmes, j'étais dévastée, mais pourtant je l'aimais en plus, c'est ça, il est très beau quand même. Bref, voilà mon livre triste. Alors... Non mais là ils ont tout barré, non ça c'est une lettre. Bon c'est bon. On t'a cherché ce que tu cherchais. Donc maintenant, tu un livre qui m'a rendue heureuse pour moi, donc ce fut pas pour l'histoire. Ah c'est Rich en fait. Non alors attendez. C'est ça qu'on avait. Mais non, c'est pas si, ça. C'est celle-là. Si, donc celle-là. Ça, c'est une chanson. Et donc, je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Je te vois là, tu sais, dans la vidéo. Et je sais plus à quel moment, si c'est lui ou elle qui l'écrit, Trip ou Lila. Et merde, j'ai perdu la page. Enfin bref, elle fait des annotations, change les mots, met celui-là à la place, c'est plus joli. C'est bon, je peux parler Donc, je dis... Non, oui, écoutez, elle est rigolote, son histoire. Donc, un livre qui m'a rendu heureuse pour moi, donc ça fait irrécile. Ben, il n'a même plus à parler, c'est bien. On va te le dire plus tard. Irrésistible Fusion. Voilà, Irrésistible Fusion de Simone Elkeles aux éditions de la Martinière Jeunesse Fiction. Elle a dit. J'ai enchaîné et tout. Alors, pourquoi il m'a rendu heureuse? Pourquoi ça l'a rendu heureuse? Écoutons. Parce que j'ai fini la trilogie. Parce que comme c'est le tome 3, du coup, je me suis dit, voilà, la trilogie est finie, allez hop hop hop, je lis vite 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 vite, et bon, l'histoire aussi, elle est bien, il faut le dire. Donc voilà, j'étais super contente de finir la trilogie, de retrouver donc le dernier Fuentes. Voilà, elle cherchait, hein, en quel faisait-il le jeu voilà, réfléchi, voilà, le dernier, lire le résumé pour le trouver le nom. Le dernier Fuentes, donc voilà. Voilà pour le livre qui m'a rendu. Ouais. Ah, ok, ouais, d'accord. Je sais pas, j'ai pas lu. En fait, il y a ces trois tomes, dont trois frères. Ooh. Et pour le livre qui m'a rendu triste, donc pour moi, c'est 4 filles et un jean pour toujours. Toujours, oui. Dan Brachard aux éditions donc Gallimard. Donc ce tome 5, il est sorti des années après le tome 4. Et il se passe des années après le tome 4. C'est déjà pas mal, il se passe pas une semaine après. Voilà. Donc. Les filles, donc, elles ont grandi et ce qui arrive à Tibi est juste horrible. Non, mais je vais pas lire. J'ai pas lu les premiers tomes. Ouais, mais ça rien... dire, qu'est-ce qu'elle fait. Ça a rien à voir avec les premiers tomes, en fait, c'est que dans ce film. Ah, ça va. Donc, ce qui se passe à Tibi est juste horrible, donc voilà pourquoi il m'a rendu triste. Mais en même temps... Elle a plus de jean, maintenant elle met une jupe. Non, non, c'est pas ça. Bref, merci Elodie pour ce petit commentaire intéressant. Ah, hein. Oh, je peux parler. Et voilà pour mon livre triste. Vous avez vu, on est en larmes. D'abord, c'est triste. Alors, moi, livre qui m'a rendue heureuse, donc c'est... Oh, flashy. Ah ouais, tu m'en avais parlé. La très très mauvaise journée de Bobby Faye. Alors, t'as rendu quoi, lui?
très heureuse. Ah, parce que du coup, quand j'ai entendu très très mauvaise journée, j'ai Oui, mais non, mais en fait, c'est hyper marrant, c'est... Hyper écrit petit. Tu veux des lunettes? Non. Il fait presque 500 pages. Écrit tout petit. Bah ouais. 176. Marabout. Est-ce que moi aussi vous avez la chanson dans la tête? Ça va. Je suis sûre que tu l'avais, c'est bon, ça je t'ai vu partir. N'importe quoi, je peux même pas parler. T'as vu, elle est chiante, hein? Ouais. Oh là là, très chiante. Alors, le problème de cette série, c'est qu'il n'y a que les deux premiers tomes. On n'a pas la suite, puisque visiblement elle n'a pas très bien marché. Et donc, bah, du coup, voilà. Je reste sur ma fin parce que j'ai pas le reste. T'as pas la fin? Ouais. Ils finissent pas les tomes, en plus? Bah, ils finissent l'histoire en cours, mais l'histoire plus grande, enfin plus... L'autre histoire la trame, elle est pas finie. Et, donc l'auteur est pas français? Il y a combien de tomes en VO? Je sais pas combien il y a de tomes, mais il y en a au moins 3 ou 4 ou un truc comme ça. Et de toute façon, le tome d'après n'est pas sorti. Voilà. J'ai que les... J'ai le tome 2 qui est là. Voilà. Le tome 2. Arrête. Voilà. Et pour le livre qui m'a rendu triste, donc c'est le livre de Mathieu Guibé. Ivan Dead. C'est bon, Ouais, non, elle rigolait toute seule là. Mais non, mais je savais que vous alliez rigoler par rapport au titre. Ah bah pas du tout. J'étais concentrée sur. Parce que pour le prononcer, voilà. Sur rien. Tu l'as pas prononcé. Si, j'ai dit Even Dead Six Feel Your Love. Et ça veut dire quoi? Ah bah voilà, c'est ça la tuing. Bah tu cherches la traduction. Voilà. C'est une chanson, il me semble. Il a dit Mathieu. Ah, ça serait bien, chanson. Ça serait bien. Il me semble que c'est tiré d'une chanson. Arrête de bouger, pardon. Vas-y, raconte ton histoire. Et bon, bah, le livre est. Que mort, c'est une très 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 belle histoire. Ouais, c'est Jean-Luc Adéra. Hein? Non, elle est pas dans mon genre. Qu'est-ce que ça dit? Alors, celle-là, elle est bonne, tiens, dis donc. J'ai pas compris. J'adore. Donc ça a rendu triste Lydie. Oui, on sait pas pourquoi. Oui, bah c'est une histoire triste, hein. Ça se finit pas forcément très bien et non, c'est la plume est tellement belle que voilà, c'est triste. Voilà. Et la couverture Elle est triste. Elle est très belle. Et voilà. C'est fini? Oui. Et enfin, voilà. On a fini. Et on est toutes vivantes. Vous, je sais pas. Elle, tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bref, donc Wally Walou pour le tag Les Opposés. On va parler en français. Ah, et pas comment qu'il le dit pas en anglais quand même? The Opposite Book? Yeah. Yeah, very good. Et voilà, c'est fini.